à l'attaque d'Harcourt. Tu peux faire mal? Tu veux qu'on rase un peu sur les côtés? Tu commences à avoir des poils, non? Oui, un petit peu. Allez, allez, papa. Ah, rase un peu la barbe. Ça, bah là, là, il y a de quoi couper, là. C'est bon. Il y a du beurre. C'est bon, il y a de quoi couper ici, là. Et c'est dommage, il y a peu de temps, il avait la même chose que toi. Ouais. C'est vrai? Ouais. Pourquoi t'as rasé ça, garçon? Parce que un jour, je suis pas mal. Mais quelle erreur! Oui! Mais oui! Je t'en aurais prêté en plus, j'en ai plein à la maison! J'arrivais pas à trouver des machines comme ça! Mais on en trouve partout! Non, c'est vrai. Bah, on est du nord de l'île, les gars, vous êtes des Normands! Tu fabriques! Des Vikings, tu fabriques! Pas de barbe! Mais c'est incroyable ça! Vous venez de où? Alors, faut dire que maintenant, c'est maman qui a plus de barbe que papa, mais bon. Un mois après, j'avais. Vous savez que j'ai vu Roland se retourner dans la cathédrale de Rouen ce matin en allant le visiter? Vous faites n'importe quoi en Normandie, c'est pas sérieux. Ils bouffent n'importe quoi. Ils savent même pas cuire la viande, même pas la chasser. Ils vont dans un magasin, tu te rends compte? Un maga? Un truc où tu trouves de la viande morte. Ah non, moi je vais la chercher. Enfin, des animaux morts, pardon. Avec cette aiguillette, avec cette lance, ils vont devoir emporter des aiguillettes, des aiguillettes qui sont toute l'anneau rouge en mode défense, dont l'anneau intérieur ne mesure qu'un centimètre de plus en diamètre que la lance dont ils sont munis. Et donc là, vous... Alors, il commence. On va aller voir le village des archers. Là, ils font des ils attendent
Bah voilà. Parce que là, ils sont plus bons. Et ils ne courent pas pour rien. Ils aiment bien chasser. Non. Ce sont des chiens qui ont été créés spécifiquement pour la chasse. En fait, alors tu n'as pas dit ça. C'est vraiment le chien par excellence. Allez. C'est les chiens, Matt. Vous avez un lien. Vous avez un lien très très fort et très passionnel avec votre chien. Donc, c'est la connex qui en plus se vend des chiens. Visuel d'un peu. Allez, c'est fini là. Il y a vraiment que qu'une infime surface qui s'abîme un petit peu. De toute façon, on va là-bas, au Maroc ou même dans les pays tropicaux. Alors là, c'est encore pire parce que l'humidité est encore plus grande. Hein. Nous, même si c'est une humidité un peu plus fraîche, on n'a que 70. Même avoir le Mont Marie, on a oublié toutes ces choses. Et puis après, on est sur cette petite esponge, la petite lampe à graisse ou à huile, mais là on a affaire à de la graisse, soit de la graisse de porc. Pour que les flèches ne passent pas ni la lance du chevalier. Par contre, quand tu es dedans, tu n'entends rien, tu vois que tu vas être très peu devant toi. Donc il était protégé beaucoup, mais il n'était pas très fort. Thank you.
Thank you.